Eh bien, bonsoir les amis, bienvenue sur Père la Galère Gaming. Salut Didi, salut Elias, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en pleine forme. On est reparti sur du Subnautica ce soir. On est au 11e opus, je crois, et on va aller visiter l'Aurora. Enfin, il nous est arrivé une drôle d'aventure la dernière fois. On était resté bloqué à l'intérieur de l'Aurora, par un glitch, on était de l'autre côté de la paroi et on était coincé comme ça. Donc il a fallu tout que je refasse moi en dehors pour pouvoir vous présenter la suite ce soir et être à peu près au même point où est-ce qu'on en était, on s'en était arrêté. Du coup, j'en ai profité dimanche soir quand j'ai fait ça. J'ai pas livé dessus, mais je me suis remis au même niveau où on s'était arrêté. J'en ai profité pour. Attendez, je vais mettre le chat ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va baisser un tout petit peu le son du jeu normalement. Voilà, comme ça. Et on va se mettre comme ceci pour débuter le live. Voilà, ça c'est bon. Et je vais me mettre là. Comme ça, j'ai le chat. J'ai pas décidé encore. C'est vrai qu'il est sorti le 6. On le fera certainement. Je l'ai pas encore pris, figure-toi, Didi. Parce que en fait j'avais celui-là de jeu à finir. On a Death Stranding aussi qui est en cours, on a Kakarot. Donc ça fait quand même beaucoup de jeux qui sont sur le feu là. Donc du coup on avait fait une vidéo découverte dessus, pardon, je l'avais trouvé très sympa. Je sais qu'il est sorti le 6. On essaiera de le faire. Soit ça, soit Animal Crossing aussi. Enfin, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est pas évident d'arriver à tout faire en fait. Mais c'est vrai que j'avais trouvé que c'était un jeu super sympa. Et sinon, juste pour savoir si ça allait bien, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mon petit Didi. Allez, on retourne sur le jeu. On retourne en arrière. Je m'étais mis là comme ceci. On est sur l'Aurora. On va passer comme ceci. Tout d'abord, on va commencer par ce côté-là qu'on avait dégagé samedi, je crois. On avait dégagé ça samedi et ce passage-là, cette entrée-là, on avait éteint le feu. On avait pour info trouvé. Bonsoir à la Walou. Ouais, j'ai rattrapé la session d'une heure, ouais, exactement. Et donc on en est où est-ce qu'on était tous ensemble en fait la dernière fois. C'est ça, Rala Walou. On a fait ça, j'ai fait ça en off dimanche soir, vite fait. C'est une bien, c'est vite dit, mais voilà, oui, on a fait ça. Donc là, on a trouvé, mais du coup je l'ai pas fait, je l'ai fait avec vous. Enfin, je l'ai pas encore fait du reste. Alors, quand on était ensemble, on était passé comme ceci. On avait ouvert la porte ici. Ok, on était descendu par là. Et là, on avait accédé aux données, souvenez-vous, de la boîte noire. Donc, avec les données qui étaient dans ce terminal-ci. Là, on a de quoi respirer. On peut remonter pour respirer si on veut. Ce qu'on va faire, c'est repartir dans l'autre sens. On a trouvé finalement le code. Le code de la salle qu'il y a là, mais je ne l'ai pas exploré, je suis resté là-dessus, bien sûr. Donc on va se mettre avec la lampe. Par contre, je vais passer comme ça et on va signer lui, voilà. Et normalement, on est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Par là, qu'est-ce que c'est ça? Hop. On a une sorte de poubelle. Mais on va pas prendre ça. Ouais, bah du coup je l'ai trouvé le code. J'ai trouvé le code. Il était pas bien dur à trouver. Tiens, fais voir. Ramasser analyseur d'échantillons. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on peut? Non, le bras. On peut pas l'analyser. En tout cas, j'espère que vous allez bien les loulous. De Bretagne de Master? Non, je crois pas. Didi, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose? Non, pas du tout. Non plus. Hop. On a un terminal ici. Allez.
Alors, corruption de la base de données détectée sur votre PDA, le schéma du canon à répulsion a été resynchronisé. D'accord. Ok, cool. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Donc par là, déjà, on peut prendre un petit peu d'air, je pense. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, on va redescendre. On va essayer de pas rester bloqué dans le décor comme la dernière fois. Alors, par où passe-t-on? Là, je crois que... On revient dans l'autre pièce. Et là, ça doit être la sortie, non? Ouais, là, c'est la sortie. On était passé par là. Est-ce qu'on peut... On peut prendre cette porte, là, vous croyez? Pas sûr. Non, non. J'ai pas l'impression. Non, on peut passer que par là. Et donc ça c'est la sortie, donc c'est pas bon pour là. Il paraît, ouais. Ouais, il paraît. Mais du coup, je m'en suis aperçu parce que du coup c'est pour ça qu'on est repassé par là. En fait, je m'en suis aperçu, Ralawelou, et c'est gentil à toi de me faire la remarque, parce que je suis comme je suis revenu jusqu'ici en fait. Je m'étais arrêté par là avec le Simote et finalement j'étais passé par ici là. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une montée par là. Et donc du coup on va justement s'y diriger et commencer par l'autre chemin, ouais, effectivement. Alors est-ce qu'on a quelque chose là ou pas? On est pas mal. Allez, on y va. Alors, yep. Ça, c'est terrible, ces trucs-là, là. Alors. Pas par là. On va aller voir par ici, là. Tiens, dégage. Ok, tu dégages. Toi aussi, tu dégages. Ah, ces trucs là, c'est l'angoisse. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? On a quelque chose ou pas? Alors, attention, les scanners indiquent la présence de... Et j'ai pas eu le temps de lire, malheureusement. C'est ce que je fais d'habitude, ouais. C'est exactement ce que j'ai fait l'autre jour. Mais punaise, mais vous êtes bien nombreux là. Ok, allez. Ah, j'en ai plus ou quoi? Ah ouais, il n'y a plus d'énergie, dit dans le truc. Alors, fais voir. On va passer comme ceci. Et on va descendre tout droit. Ah, attends, j'ai vu qu'il y avait... Ah ouais, c'est pas aussi fluide qu'une souris, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh ouais. Bien sûr, les gars, bien sûr. Bah, ça va être réglé, ça se sera réglé bientôt. Bientôt, on aura ce qu'il nous faut. Par où? Par ici. Ok. On va prendre le couteau. On va essayer de... Oh, oh, oh. Alors, fais voir, qu'est-ce qu'on a là? On va prendre ça déjà, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un kit de soins, c'est bon. On va prendre l'instincteur. Et on va instincter, je pense, fais voir. Voilà. Ok. Et allez, on va faire comme ça. On va voir un petit peu, on en a déjà un là. On va l'utiliser, on va l'assigner aussi. Est-ce qu'on peut faire comme ça là? Non, on peut pas. Allez. On peut passer, vous croyez, sans éteindre? Non, je pense pas. Ok. Il y a quelque chose là-bas derrière. Fais voir. Essayez d'éteindre là, là. Bah on y remettra des piles dedans, t'inquiète.
À la Wedou. T'inquiète, t'inquiète, on y remettra des piles. Alors, fais voir, caisse de fourniture, qu'est-ce qu'on a dedans? Tiens, en parlant de ça, il y a une pile. Et là. Une pile aussi, regarde si c'est pas beau la vie. Du coup, il est là. On va prendre la source d'énergie. Et on va ben, remplacer. Bim. Voilà, on va faire comme ça. 100%, 0%. On la décharge. Waouh. Alors là, il y a le sas, c'est marqué. Et des bases des survivants de Degazi. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Je me souviens même plus où est-ce qu'on en est. On n'en est pas très très loin en fait. Hein. Tiens, hop, on ramasse les piles. Ça c'est pas mal. On n'en est pas super loin hein, finalement dans l'histoire. On a quoi? On a eu. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Un PDA. Système de l'aura, fonctionnement sur l'alimentation de secours. Impossible de télécharger les données de la boîte noire à distance. D'accord. Bim. Alors, données téléchargées, entrée du drone, ingénierie de l'Orera. Ok. Et ça, c'est fragment de canon à propulsion. Bien. Ah ouais, mais on en a déjà, ça nous donne du titane, on va l'enlever, le titane, on n'en a pas besoin, en fait. Bim. Alors, l'administration ou la baie de cargaison? Eh bien, écoutez, on va commencer par l'administration, je pense, et puis après, on sera la baie de cargaison. On va passer par là. At first. Ok. On va se prendre ça sur la couenne. Fais voir. Est-ce qu'on... Ouais, on voit mieux comme ça quand même. On voit mieux si on a des choses. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, on est pas très très loin. On est à peu près à 20h de jeu, mais il y a pas mal de farm dedans. On a quoi? On a fait 4 ou 5. 5. Non, allez, peut-être 6 capsules. Guerre plus. Donc ouais, non, on n'est pas très très loin, hein, figure-toi. Ah tiens, il n'a plus. N'a plus. Alors regarde. On va prendre l'autre. Ok. Mais non. Ah, mais t'es sérieux là? Il a pas pris la bonne, dit. Alors, fais voir. Alors, ça, on décharge. Ça, on assigne. Et on est bon. Fais voir. Est-ce que t'es bon? Mais oui, t'es bon. Ça arrive. Oh, ça chauffe vachement par là. Est-ce qu'on peut éteindre ça, vous croyez? Ouais, on peut éteindre, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choses à scanner déjà ici? Une poubelle. Déjà, on n'a pas ça. Donc, on va scanner ça. Alors la structure alien, oui, on a visité la structure alien, on a visité donc les deux îles, on a donc ce qu'il nous faut pour faire notre base en fait, est-ce que ça on peut, non, qu'est-ce qu'on a là, pile, ah, pourquoi tu veux pas prendre la pile, prends la pile chouchou, ah, ouais, voilà, et donc là c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ah, c'est rigolo, c'est joli. Un PDA, ici. Bim. Alors, données téléchargées, aide-mémoire. Alors, fais voir ce qu'il y a dedans. Aide-mémoire. Alors, nous avons enfin atteint l'espace profond. On a traversé la galaxie pour installer un portail de phase. Pour renvoyer des vaisseaux, récolter les ressources, pour construire de plus en plus gros vaisseaux, pour installer de plus jolis portails, machin, truc bidule, anniversaire 1606, code de la baie de cargaison 1454. Ça, on va en avoir besoin, donc c'est pas mal. Non. Non, non, pas de base abandonnée pour l'instant. Chaise de commandement. Tiens, c'est pas mal, ça. Bim. C'est rigolo, on fait la récolte de schéma, c'est plutôt pas mal.
Ah, c'est gentil, Didi. Bon, quelle nouvelle, Didi? Tu m'as pas dit. Ah ben, on pouvait. Ah ben oui, on pouvait le prendre. Là, on est bon. On a fait tout. On a fait tout. On a fait tout. Où ça? Non. Alors, l'Altera lance l'Aurora. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'Altera lance l'Aurora, portail de phase annoncé à destination du bras d'Ariadan. Altera lance l'Aurora, tandis que les coins les plus reculés de l'espace habité sont voués à se développer. Altera Technologies lance l'Aurora, un vaisseau lourd nouvellement construit, équipé d'une technologie de portail de phase de pointe à destination du bras d'Adriana. C'est du lore. Donc vous avez pas de problème vous avec les maladies, tout ça en ce moment? Ok. Allez, on est parti. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, peut-être pas. Donc on va du côté des cargaisons maintenant. Si je ne m'abuse. Voilà. B des cargaisons. Alors, fais voir, parce que là. Qu'est-ce qu'on. Ça, je sais pas pourquoi ça s'est mis là, mais. Assigné à un emplacement rapide, c'est rigolo. Qui nous est mis ça là. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oh, Johnny Jumper. Eh oh. Alors. Ici, a-t-on quelque chose? Non. Il y a un bureau. Alors, on va essayer de prendre le bras. Non. Alors, fais voir. On va prendre ça d'abord. On peut pas le prendre ça, t'es sérieux là? C'est bloqué. C'est bloqué, t'es sûr? Non, non. C'est moi qui fais du bullshit. Non, c'est pas ça que je veux. C'est l'autre. Et il veut pas, hein? Non. Et si je prends celui-ci? Oui, bravo. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est casse-pied? La caméra des fois avec ça là. Hop, bon. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Mais est-ce qu'on peut passer par là? Fais voir. On va prendre ça parce que là je vois rien, mais rien du tout. Hop. Ouais, bah oui, tu sais, des fois, je suis pas tout là. Hein. Des fois, il m'arrive d'avoir des. Alors. Donc, on a dit 14,54, il me semble. :14,54, peut-être c'est ça. Oui, bravo. C'est le GG. Allez, hop, on va voir ça. Alors, wow, salut. Qu'est-ce qui vous arrive? Ok. Par contre, on n'a pas à bouffer. Ah bah tiens. Que demande le peuple? Fais voir, on va le manger. Et on n'a pas d'eau non plus. Donc s'il pouvait nous fournir un petit peu d'eau aussi, ça nous arrangerait. D'avance, merci les gars. On n'avait rien à. Non, non, on n'a rien. Non. Allez, on prend la lampe. Petit oiseau, toi qui n'as pas d'aile. Alors, est-ce que ça, y a quelque chose là ou pas? Non. Allez,
qu'est-ce qu'on a là? Punaise, ça bug là. Alors attends, parce que là, on a un PDA qui est là. Il y avait un passage peut-être aussi au-dessus. Il m'avait semblé, mais. Et bonsoir, Master, comment tu vas? T'es en forme? Il m'avait semblé voir un passage aussi. Ah, j'ai pas vu. Un peu trop tard, c'est pas grave. Alors. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, on laisse passer des trucs si on fait pas. Fragment de moteur de cyclope? Non. Sans déconner. Trop bien. 1 sur 3, d'accord. Alors il faut vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres ailleurs, parce que si on peut avoir du moteur de cyclope, je pense que ce serait goldé. Je sais, j'aimerais bien aussi moi absorber un peu d'eau, mais non, nutriments, pas du tout de l'eau. Non. On peut pas grimper là-dessus. Ah si, comme ça. Je savais même pas qu'on pouvait sauter, dit. Tout ce qui ne saute pas n'est pas français. Oui. Je vais bientôt être servi pour l'eau, alors ça va. Merci. C'est sympa. Fais voir. On va regarder un petit peu si on n'a pas quand même des choses là pour pas faire l'idiot et pas partir sans rien. Là, c'est vide encore aussi. Ouais, c'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Tout est vide là. Voilà. Allez, ça ira mieux pour vous. Non, je crois pas. Et il va bien Loïc. Non, je l'ai loupé. Ah tiens, regarde. Il y a un truc là. Est-ce qu'on peut grimper comme ça? Ouais. Ce sont des nutriments. Donc s'ils nous donnent ça, il va y avoir de l'eau pas loin. Ce serait sympa pour eux avant que je meure. Je ne meure dans d'atroces souffrances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Salut. Voilà, il y a de l'eau. Effectivement, à la Woulou. Effectivement, à la Woulou, il y a de l'eau. Il va comment le fromage breton? Bah écoute, il va très très bien. Et puis ils ont des chapeaux ronds, tu sais, donc du coup, ils sont nickel. Alors. Alors, allée des machines, B de Simote, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oui, on veut bien prendre l'objet. Non, ce sont des nutriments, je vais crever. Allez, on va regarder par là, si on a quelque chose. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose. Hop, on va sortir de là. Alors, administration, par ici. Fais voir. Salle des machines, ok. B de Simote, allée des machines, et là, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va par là. Et là, on va vestiaire, B à prone. Écoute, on va aller par là. On va commencer vestiaire peut-être. Non, c'est pas ça. Oui, on va essayer ma chouchounette à la crème. Promis, on essaye. Dès qu'on a 2 minutes. Allez, on va essayer de lever ça. Alors, t'as un mini stage du 7 au 10, d'accord? En pâtisserie, c'est vrai? Ah, mais c'est super ça! Bravo! Bravo Didi, j'adore le métier de pâtissier. Il est très difficile quand ils font vraiment le métier, mais le taf, mais vraiment, 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 c'est super. Alors, fais voir. On a un PDA là. Je vais mourir. Hein. Alors, télécharger auxiliaire des machines de l'Aurora. On prendra le temps de lire ça un peu plus tard, les gars. Ce que j'aimerais, c'est vraiment boire, quoi. Trouver quelque chose à boire. Voilà. Hop. Alors, le PDA là-haut. Données téléchargées, 12 propositions, ok. B de prendre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, de l'eau.
Super les gars. Ok. Voilà. On est bien. On est un peu mieux là. Voilà, je vais pouvoir respirer. Alors, on va essayer de voir si on peut. Est-ce qu'on peut les casiers les prendre? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à regarder? Peut-être. Regarde, on a des piles de partout à ramasser. Ça, c'est le GG, ça. Alors, comme ça. Voilà. Oui. J'avais oublié. Tu sais, des fois tu oublies, hein. C'est vraiment. Alors, du coup. Là, ça bégouille un peu, mais est-ce qu'on a quelque chose là-dessous? Pas du tout. Je pense qu'on a regardé un petit peu de partout. Là, on n'a rien fait voir là. Ah. Non, ça a l'air vide. Allez, on va continuer par là-bas. Alors du coup, il faudrait retrouver un petit peu d'eau si on peut. Baie de Prawn. Allez, on va voir ce qu'on trouve là. Alors, fais voir. Ok. Donc ça, il faut réparer. On va essayer de se mettre pas trop près. L'outil de réparation, il est ici. Bim, comme ça. T'es resté 5 heures ou 6 heures où, Master? Après le live, je suis allé en vocal. Yop. Voilà. Est-ce que... Non. Voilà. Eh bien. Mais t'es sérieux là? Allez. Voilà. Et ouais, parce que je peux pas tout suivre en fait. C'est un peu. C'est un peu compliqué. Ah, si tu. Oui, si tu veux. Si vous voyez, les gars, bien sûr, si je loupe quelque chose de vraiment flagrant. Ouais, si vous. Si vous voulez, bien sûr, avec plaisir, ouais, pour éviter qu'on oublie vraiment des grosses choses en fait, ouais. Alors. Ok. Alors ça c'est bon ça. Ça c'est vachement bon les gars. On va passer par là. On va reprendre l'appareil pour... Tu vois, c'est ce qui se trouve dommage par contre sur la version PS4, c'est de pas pouvoir... enfin, ou alors c'est moi qui sais pas le faire. Mais... De pas pouvoir assigner les objets où tu veux en fait. Alors, combinaison de prendre. Ah, c'est rigolo, catnip, j'ai vu ça tout à l'heure, ouais, c'était cool. Ah bah écoute, on y retournera alors si ça vous plaît, j'irai voir et on y retournera. Est-ce qu'on peut analyser cela là? Situé de l'autre côté de la brèche, d'accord. Ok, celui-là c'est bon. Et du coup, il en faut combien pour avoir le prendre? Est-ce qu'on peut passer comme ça sans se brûler? Peut-être. Salut. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut pas l'analyser ce truc-là? Non, pas du tout. Ok, ça c'est une amélioration de stockage, c'est ça il me semble. Et ça? Allez, dis-moi qu'on l'a le prendre là. Non, on l'a pas. Ah, on l'a du premier coup? Qu'est-ce que tu me racontes là? On a du premier coup de le prendre? Alors, ça. Fais voir un peu. Non, tu vois? 0 sur 20. Combinaison. Ingrédient inconnu. Donc, pas pour l'instant en fait. Bizarre. Alors, quartier résidentiel, ok, c'est là-haut. On va quand même regarder ce qu'il y a là dans l'eau, peut-être, non?
Si jamais. On sait jamais. Sur un malentendu. Ok. Ça, on va le prendre. C'est jamais dans la vie. Ouais, j'ai pas trop envie d'y aller, moi, là. Hein. Ils vont pas nous cacher des salamalecs, là. D'accord. Oula, un réacteur. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, une lampe. Non, la lampe torche, on va la laisser là. Hein. Qu'est-ce que. On est où là? Ok. Où t'es? Où? T'étais où? T'es pas là? T'étais où? D'accord, ah d'accord, je sais où on est. D'accord, là on est revenu au départ. Ok, allez, on va repasser par là alors. C'était où? Hein ça? Bah, on revient d'où là? Là, on doit passer comme ça. Et. Ah oui, par là, ok. J'avais oublié. J'avais déjà oublié qu'on était passé comme ça. Dans ce sens-là, peut-être. Ouais. Ok, allez. Là, c'est par ici. Ouais. Passer comme ça. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Ok, bon. Est-ce qu'on a. Ah, tiens, plus d'énergie. Je dois avoir une pile avec, avec zéro d'énergie. On va essayer de la lourder. Elle est où? Non, non. Ouais. Pff. Allez, hop. Ok, bon, bah écoutez, on va continuer. Alors, soit on continue par ici. Non, il n'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas, Jean-José, là? Écoute, on va passer comme ça, alors. Ouais, il me faut un peu d'eau. Ce serait bien. Alors, soit on va au niveau des vestiaires. Oui, on l'a ramassé. Ok. Allez. Du coup, par où passe-t-on? On va peut-être passer par là. On doit pouvoir y passer. On va aller du coup au vestiaire et puis après on retournera de l'autre côté parce que de l'autre côté on a des choses à faire. Je pense que c'est pas mal aussi. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut grimper comme ça? Ouais. Mais trop facile, c'est easy cacahuète les gars. Easy cacahuète, c'est bon. Tu as de l'eau au niveau du quartier résidentiel. D'accord, bah de toute façon, on y va. C'est gentil, merci. Et du coup, ouais, bah on va y aller. Voilà, quartier résidentiel. Je pense que comme on est là, on va aller faire un, on va lui faire un saut, en fait. Alors, fais voir. On va éteindre les flammes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Là, ça me paraît. Alors, on a un PDA qui est ici. Ok. Ah, fais voir. On connaît ça? Ouais, on connaît. Ah, c'est choupinou ça. Allez, bim. On prend. Est-ce qu'on peut passer là? Non, c'est locked. Ok. Par ici, c'est pas bon. Ouais, bah du coup, bah, je sais pas quoi te dire. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est la réserve. Fais voir ce qu'on a dans la réserve. Ah, oh, de l'eau. Voilà. Fais voir.
On va déjà boire de l'eau. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi ça a fait ça, ouais. Maintenant que tu le dis, je trouvais ça bizarre puisqu'on les a, on les a machinés trois fois, ouais. Je sais pas. Des fois, je comprends pas trop ce qui se passe dans ce jeu. Ok. Non. Là, on a à bouffer. Ça, c'est bien, mais. Ouais, eh ben oui, bah oui. Bah écoute, on fera ça. Hein. Mais ouais, ça m'étonnerait pas que j'ai un, bug dans la partie, ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Alors. Allez, on va se mettre full water. Non, pardon, autant pour moi. Et on va manger aussi, comme ça au moins c'est fait. Bim, bim, bim. Qu'est-ce qu'elle part l'eau? Bon, en même temps, on est entouré de feu, donc. Ouais, j'aurais dû sauvegarder avant de rentrer, peut-être. Ouais, bah, tu vois, on a pensé exactement la même chose. Fais voir, je vais les sauvegarder là. Et si jamais ça l'a pas fait, on sauvegardera, on quittera et on rechargera la partie. Mais le problème, c'est que c'est, il aurait fallu le faire avant. Et j'y ai malheureusement pas pensé. Là, c'est locked. Là, on peut passer sur le côté sans se brûler, je pense. Ok. Ça, il y en a un. La bouffe, c'est gavé, quoi. Du coup, là, on est quoi? On a cabine numéro 1. Ok. Cabine numéro 1, il y a un code dedans. Cabine numéro 3, fais voir. Ah, super. Un petit nid douillet. Attends, on va re-regarder quand même pour le prawn. Non, non, regarde, ça a rien, rien machiné, c'est terrible. C'est terrible cette histoire. Il y a des fois, je comprends pas trop. Donc tu vas te régaler, tu verras, c'est génial la pâtisserie, mon loup. Hop, de l'eau filtrée, parfait. Est-ce que... Les oreillers, on peut pas? Non, c'est un lit à modèle unique. Non, ramasser une valise, non, on va pas. Alors, y a-t-il un PDA, quelque chose? On va passer là au-dessus. Je ne crois pas. Non plus. Donc là, c'est bloqué. On va peut-être essayer d'éteindre ça, là. Réparer, je pense qu'on pourra pas réparer. On va essayer de passer là. Quartier du capitaine. Et là, il y a des codes, mais on les a, les codes du quartier du capitaine. Fais voir un peu. Est-ce qu'on a ça là? Alors, fais voir. C'est un peu plus bas. Non. 26,79. Ouais, 26,79, le code du quartier du capitaine. Ah! 26, attends, je vais me rapprocher, ce sera mieux. 79. Yeah! GG! Ok, bah écoute, on y va. Hein. Ah, bah voilà, salut les gars! Comment ça va bien? Qu'est-ce qu'on a chez le capitaine là? Hey, Captain! Captain Igloo! Captain Igloo! Alors, fais voir. Un PDA abandonné. On ira tout ça à tête reposée, les gars. Une fois qu'on sera sorti de notre VZ. Ok, données téléchargées. Quoi? Dernière transmission. Fusée d'évacuation de Neptune. Eh ben voilà. On a de quoi partir de la planète, mais il y a tellement de choses à faire derrière. Oh! Salut! Il prend ça, le mec. Ah, attends. Est-ce qu'on a rien à. Ah! Ah, les doubles ordinaires, tiens. On va prendre ça. J'avais pas vu ce que tu disais, Rala Walou, un tout petit peu plus haut. Et ça, non, c'est parce que il avait peur que j'ai pas vu, en fait, Didi. Oui, je me doute, oui, je dois pas avoir les ressources nécessaires, bien sûr. Là, il y a une cabine qui est locked. Et ça, est-ce qu'on peut? Non.
Ça, tu peux pas le chat. Allez hop. Les quartiers de ce côté-là, en tout cas, c'est bon. Là, on a rien trouvé sur les codes. À moins que. Non, je crois pas. Oh, c'est quoi ce boucan là? Oh. Merde. Pardon, excusez-moi. Scheiße. Il m'a fait peur. Y'a rien. Y'a rien. Bon. Cabine numéro 1. Cabine numéro 1. Ils sont gentils, mais cabine numéro 1, je sais pas. Cabine numéro 1. Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, fais voir. Code, accès, aide à la mémoire. Peut-être sur aide à la mémoire, non? J'y suis allé trop bas, non? Fais voir. On va regrimper par là, là. Capsule temporelle, non. Menu du jour, à la cantoche, peu importe. Données aliens, journal de l'Aurora, journal de Legacy, mission, ordre, kit de survie, schéma. Mais oui, je sais bien. Il faut d'abord se soigner et puis après, si on arrive à se soigner, il faut pouvoir construire tout ça. Code indice. Sauvegarde un vaisseau mongol de Negazi, dizaines d'années, transportant à son bord le chef mongol. Accès au labo, aide mémoire, fait voir, 1454. Non, c'est la cargaison, ça. Il nous manque quelque chose, on a oublié, on n'a pas vu peut-être un PDA. Alors nous on vient d'ici, donc peut-être le PDA il sera peut-être un tout petit peu plus loin, il sera peut-être par là. Cabine numéro 7, mon chéri. Oh c'est joli, bravo mon prince. Alors fais voir, on a un PDA ici, est-ce que ça correspondrait à ce qu'on a? Alors enregistrement légal et relation entre Wilson et Elaine. Qu'est-ce qu'elle dit à Elaine? Hop, fais voir. Est-ce qu'on entend? On n'entend pas? Oui, moi aussi. Mais enfin, s'il me donne pas le prône alors que je viens dans l'Aurora, c'est quand même dommage. Tu crois pas? Ok. Ok. Et on a à manger. C'est vraiment l'eau qui nous manque. Hein. Ok. On sait la valise. Non. Ok. Bon, en fait, elle s'engueule. Allez, on va ramasser la pile. Le PDA qui est là. De l'eau. Bravo. Alors, brochure du foyer d'Altera, la charité est un concept archéonique que le réalisme des altérants d'aujourd'hui a rendu obsolète. Nous comprenons que nous sommes responsables tout de même, mais la meilleure façon d'obtenir le meilleur de nous-mêmes est de travailler avec Altera. Les conséquences de ce raisonnement sont claires. Si quelqu'un est dans le besoin, il doit trouver le moyen d'être nécessaire, d'accord, d'être utile, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, si avec ça je meurs de faim, c'est qu'il y a un gros problème. Mais par contre, de soif, c'est pas exclu. De faim, non, et pareil, hein, les piles. Mais dis donc, c'est un gros morceau à se faire, le... Ok, fais voir. Bon, on va faire la cabine 6, là derrière, et à mon avis, il n'y a pas grand chose, tu peux pas passer. On va regarder ce qu'on a là, ici. Regarde, on a encore des piles. Ah, des piles, on est refait, les gars. Je sais pas si on aura besoin de tout ça, d'ailleurs, du reste.
Ouais, d'accord. Bah écoute, c'est pas grave, hein. Liquide de soins. Mais ouais. Mais l'eau, c'est vrai que peu d'eau. Hop. Hey, salut Kekla, comment tu vas? Papa la galette. Il va bien, papa galette. Alors, fais voir, attends, celui-là il est à 100%, celui-là il est à 100%. Celui-là, on va le drop. On va boire un petit peu d'eau. Comme ça, on aura petit peu moins à s'en soucier. Donc là, on va passer sur le côté vite fait. On va passer à la cabine numéro 6. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé le code de la porte, de la deuxième porte à face au capitaine. Malheureusement, mais bon. Comment on y va, mon petit Kekla? T'es en forme? Bienvenue, bienvenue à toi, bienvenue à tous en tout cas. Non, là, on y est allé du coup. La 7 alors? Non, non. Je pense qu'on les a maintenant qu'on les a toutes faites, les gars, pour ici. On va donc. Va donc et je te mettrai prise. On va retourner en arrière. Ça, c'est toujours fermé, toujours. Ah, tranquille, tranquille, ça va. Tu sais, quand on est en live, hein, généralement, ça se passe bien. Oh, 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 oh. Par contre, on n'avait pas fait ça. Qu'est-ce que. Il y a un truc, il voulait. Alors attends, parce qu'il a voulu. Il a voulu analyser un truc, mais du coup, je sais pas quoi. Ah, étagère murale, d'accord. Ok. Donc c'était ça qu'il avait vu. Mais c'est rigolo, hein, tu lui prends des prônes et il en veut pas. Et l'étagère murale, lui, il apprend le mec. Bon, mais là, écoutez, je pense qu'on est bien. On va donc repasser par ici et on repassera par là. Il court le furet. Je suis, mais un peu navré. Je suis vraiment un peu navré sur le coup, là. Ça me m'agace un peu. Puisqu'on les a bien analysés, mais ils nous les donnent pas, tes potes. Et du coup, ça me. Parce que regarde, celui-là, il veut pas qu'on l'analyse, quoi. Non, il veut pas du tout. Et du coup. On. Ah! Mais t'es sérieux là? Et tu vois, on l'a. C'est un bug parce qu'on l'a la combinaison prom. Nouveau schéma. Fais voir, on va vérifier. Mais oui, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Oh, les gars! Lingot de plastacier x2, c'est quoi? C'est quoi le lingot de plastacier? Ben, on trouvera. On verra bien, les gars, on trouvera. On a le prone, alors ça, c'est pas vraiment pas mal. Du coup, par où on est arrivé? On est arrivé par là, non? Hop. Est-ce que c'était par ici, il me semble, hein? Il me semble bien que oui. Donc là, attends, on va mettre un petit peu de lumière, les gars. Comme ça, on est peinard. Aïe! Aïe, ma tête! Et on était passé comme ça. Ben ouais, c'est bizarre, il n'y avait rien de marqué. Oh là là, master, 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 t'enflamme pas par contre, s'il te plaît, chouchou, sur le. Ah, c'est trop beau ce que t'as fait! Ah, mais oui, pardon! Pardon, oui, c'est très joli, master. Ah, c'est super! Les autres, vous arrivez à voir ce qu'il a fait, master, ou pas? Je trouve ça très rigolo. Alors, du coup, maintenant, la baie de Simote, c'est par là, et l'allée des machines, c'est par ici. Eh ben, on va aller à l'allée de Simote, hein, je pense. Nous, on vient de là. Est-ce qu'on a tout fait, là, les gars? Peut-être. On est venu là, d'en haut, et là, c'est de retour à la sortie. Peut-être on passe par là, il me semble. Ah oui, d'accord, on fait ça comme ça, les mecs. Par contre, pas trop trop, hein, non plus. Ne polluez pas le chat pour les autres, hein. C'est bien une fois, mais après, ça prend un peu trop de place, ouais, exactement. Ah, c'est joli, la grenouille, je l'avais pas vue. On la voit mieux sur cet ordinateur-là que sur celui-là. Pardon, autant pour moi. On va voir la porte. Ok, salut. B numéro 1, B numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Fragments de Simote, mais on les a déjà, non? Ouais, on les a. Bon, c'est pas grave, on va les prendre quand même. Comme ça. Bim, bim. Ouais, fragments de Simote, on va les faire comme ça, on les a. Alors, normalement, tu as le code
dans les PDA récupérés, celui où les deux femmes elles s'engueulent pour la Sam ferme. Ah oui, d'accord. Bah écoute, je suis désolé, je l'ai pas vu. On y retournera. Fais voir, on a un PDA là qui est là. Et vous le croyez, les gars, j'ai un moustique qui vient de rentrer. Alors. Et là, on peut pas prendre, non. On va lever ça, comme ça, comme ça. Ah, bonne nuit, mon Didi. Merci d'être passé. Bonne nuit, à plus. À plus dans le bus. Qu'est-ce que c'est, ça? Module MK, hein. Ben, on peut prendre. Hein. Punaise, on commence à être chargé, là, les gars. Et on peut passer nulle part, là. C'est un cul-de-sac, ça. Est-ce un cul-de-sac? Ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, les gars. Ou je me trompe? Attends, fais voir. Hop, on va prendre la lampe, ça ira peut-être un peu mieux. Ouais, ça m'a l'air d'être un cul-de-sac. C'est ça, ouais. Il faudrait faire un mousticide, en fait. Ouais, non, tu peux pas. Tu peux pas, le chat, là. Sans phosphate. Ça, le chat méga perle sans phosphate, bien sûr. Alors, regarde. Maintenant, on va. Ici, on en vient, hein, on est d'accord? Ici, on en vient. Vestiaire, Béa Prone. Ok. Et là, et là, et là, et là, là, ce sont salles des machines. C'est la salle de machine. Machine, elle est où, machine? Est-ce qu'on peut analyser ça? Peut-être pas, hein, c'est juste des. J'ai toujours peur de manquer quelque chose, c'est incroyable. Donne-moi de l'eau. Pas du tout, des piles, merci. Oula, alors. On regarde. Voilà. Bah, alors? Écoute, on va passer comme ça du coup. Arrête. Voilà. Du coup. Ok. Là, ça flambe sec, hein, les gars. Ça fume, c'est fume sec, en fait. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, mais c'est les gros. Ok, d'accord. Module d'amélioration de rendement du cyclope. On n'a pas encore le cyclope. On n'a même pas le moteur. Du reste. Fais voir un peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, brèche dans le blindage du noyau moteur. Alors, le noyau d'alimentation de l'Aurora est protégé par sa coque métallique épaisse, s'est brisé en multiples endroits. Après le crash, une fois détérioré, il continue à émettre une radiation dans l'environnement jusqu'à ce que les brèches soient scellées. Cette procédure ne doit pas être tentée. D'accord. Mais on. Ok. Mais du coup, si on fait ça, bah ça marche. Allez. Ok, 10. Il y en a 10. Mais écoutez, on va se les faire, non? Je sais pas si ça nous donne quelque chose ou pas. Peu importe, en tout cas, si on arrive à. On n'aura plus de radiation si jamais on arrive à tout boucher. Bah écoute, on va aller dans l'eau, non? Ça doit être dans l'eau. Le reste, peut-être, peut-être. Maybe. Oui, je vois que ça flambe sec. Ok, allez. On a compris. Bonjour. Allez, fais voir. On va passer comme ça. Ah, je suis content, ça change un petit peu de fouiller l'Aurora comme ça change un peu le gameplay, c'est rigolo, ça change. Et qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Mais attends, fais voir. Eh bon, on va prendre le couteau sur nous, hein. C'est des saletés, ce truc-là, là. On voit qu'on a du soin, non? Ouais. On a du soin, c'est de l'eau qui nous manque. Le soin, ça va, mais. Allez, fais voir. On va soigner ça, là. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais.
Alors, si je compte jouer à Shadow of the Colossus, bah écoute, il faudrait, en fait, pour être vraiment honnête avec toi, Kekla, c'est un jeu que j'adorerais faire. Mais le problème, c'est que je sais pas quand le faire. Mais oui, c'est vraiment un jeu que j'avais adoré, Shadow of the Colossus. Mais du coup, c'est compliqué d'arriver à tout faire, si tu veux. Mais avec le PS Plus, j'ai pas fait attention encore, ce qui était gratuit cette semaine. Mais je vais le prendre, alors je vais le télécharger, puis on se le fera un jour peut-être. Mais je sais pas encore, parce qu'il y a des jeux qui ont été repoussés, donc ça laisse quand même un peu de champ à pas mal d'autres jeux. Mais du coup, ouais, c'est compliqué d'arriver à tout faire en fait, Kekla, si tu veux. Allez, on va remonter. Ok, il nous en reste deux. On les a vus, ils sont par là. Normalement, j'en ai vu un ici. Ouais, c'est... Ouais. Tiens, dégage. Tiens, dégage. Ils ont pas compris. Vas-y, reviens, reviens, reviens un peu. Ouais, c'est bon. Ok. Allez. Oh, t'es sérieux là? Tiens, dégage. Ils ont rien compris. Je sais pas, je sais pas. Et donc du coup, il se passe rien. À part qu'on a réparé la brèche. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. Et tu peux pas grimper par là. Si, quand même. On peut passer comme ça? Non, peut-être pas. Est-ce qu'on a quelque chose? D'accord. Allez. On va passer dans ce sens-là et on va ressortir de là. Mais du coup, on a fait la totalité de l'Aurora là où je rêve. Normalement, il se passe un truc. D'accord. Eh ben écoute, je sais pas. J'ai pas actionné le module de commande là-bas. On peut peut-être aller actionner le module de commande. En sautant tel des cabris. Est-ce qu'on y arrive? Allez, mais t'es sérieux, mais grimpe. Oh, quand même. Jean-José. Non, non, non signal. J'ai pas de check-in data. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui se passe, hormis qu'on ait résorbé la fuite, en fait. Ouais, je les ai toutes finies, ouais. Normalement, c'est bon, hein. Détection de multiples forces de vie, d'accord, êtes-vous convaincu? Non, c'est pas ça. Brèche du blindage. Mais du coup, est-ce que je le vois, brèche du blindage moteur? Ouais, non. Ça, c'est fait, hein. Ça a l'air d'être fait en fait, non? Non, oui, non, il en manquait une, tu vois. Tu avais raison. On va bien faire le tour pour. Voilà. Ok, c'est fait. Extinction évitée, d'accord. Ok. Tout le monde est content, du coup, nous aussi. On n'est pas du bon côté, bien sûr, comme Vivagel. Allez, on va y aller maintenant. On n'est pas d'ici, c'est pas tout, mais on n'est pas d'ici. Alors on a le prendre. Et c'est déjà pas mal. Et on a de quoi décoller de la planète, enfin. On a le plan déjà. On va donc rentrer à notre base. Non sans être peut-être repassé par la dernière cabine qu'il nous restait à voir. Si vous le permettez. Alors, c'était dans quel sens? Donc, c'était quoi? Allée des machines, c'était par là.
Et après, bah écoute, on ressortira. Attends, on va mettre. Voilà. Parce que du coup, sinon, on voit que dalle. Ok, baie de prendre. C'est par là que ça se passe. Il faut pas trop tarder parce que je voudrais pas qu'on. Je voudrais pas qu'on meure en fait. Là, maintenant, c'était ici. Bip 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 bip. Ti ti. Hop, hop, hop. Comment tu les aimes, tes œufs? Hop là. Ça va, vous vomissez pas? D'accord. Oula. Ça a secoué un peu. Réserve. Cantine. Non. C'était à droite. Il me semble que c'était par là. Ici, à gauche. Là. Et c'était là. Et donc tu me dis, toi, que c'était dans le truc des deux filles. Documentation, documentation, documentation. Capsule de survie, aide-mémoire. Données temporelles, données géologiques, données téléchargées, documents publics, Altera, Lance, brochure de foyer, renseignements. C'est quoi sa mise à jour? Ouais, 12 propositions. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 12 propositions. Pouah, mais toi, tu connais tout par cœur, c'est impressionnant. 18,69, mais t'es pas fort, toi, comme garçon. Merci. Merci. Fais voir. 18. Ben, du coup, on l'a complété grâce à toi. Et merci, en tout cas. Merci beaucoup. Et coucou, mon petit doigt, comment il va? Ok, on a un autre PDA, on a une casquette, on peut? Ah ouais, ah ouais là, carrément les gars. Est-ce qu'on a de l'eau? Donne-moi de l'eau. Mais non, mais j'en veux pas, je veux de l'eau. Oh, la pluche. Ok, et le PDA. Ok, relation automne responsable. Ok. Alors, relation automne responsable avant-propos. Alors, toutes les bonnes choses dans la vie se produisent de base. Nous échangeons l'amour comme nous en achetons, vendons et des actions. Ok. Ouais. Eh bien, écoute, ça va très très bien par ici. Alors, je t'avouerai que je dois vous avouer un truc. J'ai un mal de dos, mais un truc incommensurable. J'ai transporté à peu près. À peu près 1,5 tonne de sable aujourd'hui et du coup je suis flambé complet et j'ai le dos est démantibulé. Mais sinon ça va bien. Mais sinon ça va bien, je suis très content d'être en live avec vous. Mais c'est juste que ouais un peu tassé, tiens, on va manger aussi. Et on va se soigner. Bim! Donc là-dedans on n'a pas trouvé autre chose que ça, bah, c'est dommage. J'aurais bien trouvé autre chose moi. Du coup maintenant, non, c'est pas par là. On va s'en aller de là. Allez hop. Et normalement, du coup, on peut ressortir par là, il me semble. Hop, fais voir. C'est mon petit doc qui m'a dit. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté un peu trop haut, peut-être? Normalement, on peut ressortir par là, du coup. Ce que nous allons faire, on va essayer de pas se paumer, surtout. Mais on devrait pouvoir arriver à sortir, ouais. Par là, en dessous. Hop. Il me semble que c'est par là. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça balance pas mal à Paris. C'était là. C'était pas là. C'était pas là. Ah si, c'était là. Petite cachotière, hein. Tu étais là, ya 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 ya, Thunderbar. Ah, j'ai failli te louper. Alors, c'était par où? C'était par là. Là, ici, et normalement, si je ne m'abuse, avant que je passe à travers le décor, c'était ici. Normalement, là, on a pris ce qu'il y avait, je crois. Quel fou a créé cet endroit? Fuyez, pauvre fou, fuyez! Ok, allez, c'est bon.
On est comme tout est bon dans le cochon. On va passer sur le côté, comme ça on va éviter de se faire électrocuter. Est-ce qu'on peut prendre le microscope? On va se le... Oh, inventaire plein, fais voir. Allez, fais voir. On va manger. Qu'est-ce que. Non, qu'est-ce que je peux jeter? Mais je ne peux rien jeter. Module d'amélioration de cyclope, on va garder ça. Une clope, deux clopes, trois clopes, six clopes. Ah, écoute, on va y aller, hein. Tant pis, hein. On sait que c'est là, si on veut le revenir, on a besoin de revenir le chercher, on reviendra le chercher. C'est pas un problème, it is notre problème for me. It is good, good, good. Allez, hop là, en prison. Mais que se passe-t-il donc, garçon? On va sauvegarder parce que, et la sauvegarde, c'est la vie, les gars. Non, je les ai jetés au fur et à mesure, j'ai pas de pile vide, donc celle-ci, je vais les garder, en fait. Pas que j'en fasse la collection, mais quand même. Ok, yes. Ah bah, je suis content. Maintenant, il nous reste plus qu'à nous faire soulever par le Léviathan, et on est en repartant, et on est bon, les gars. Allez, on y va. Waouh. Bah, écoutez, c'était bien. Si on pouvait avoir le Cyclope, maintenant, ce serait bien. On a trouvé qu'un fragment de moteur de Cyclope. Il a fallu qu'on s'arrête juste devant ça, tu sais. histoire de se faire mal. Hop, fais voir. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Regarde, on va y mettre ça, là. Bim. Bim. Ah, oh, toutes les piles qu'on a ramenées. Mais si c'est pas beau, la vie. Poum. Et à manger, en plus. Non, mais là, on est bien. Hein. On va rentrer tranquillement K1KA. Et puis, ma foi... Sur le chemin faisant, pampan. Chemin faisant, si on arrive à trouver. On peut pas rester trop longtemps non plus. J'ai plus beaucoup de. De quoi? Tiens, fais voir. C'est par ici que ça se passe. J'ai plus beaucoup d'eau, donc ce serait bien de se nachave quand même et rentrer à la maison. Gentiment. Est-ce que ça passe là? Mais oui! Easy cacahuète, les gars. Easy cacahuète. On va repasser par la forêt qui est juste en bas là. Et un module de profondeur MK1, c'est quand même pas dégueu, je suis complètement d'accord. Alors attends, je veux regarder parce qu'il y avait Jean-José l'autre jour qui nous a arraché comme jamais. Donc il furetait par là, le mec. Et on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Laissez-moi vous dire qu'on n'était pas prêt du tout, en fait. Et il était là, gentiment. Il nous a pris et on a eu beaucoup de chance de ne pas mourir, en fait. Donc du coup, on va faire très attention. Je voudrais aller au niveau de ça, là. Regardez si on n'a pas. S'il nous manque pas des choses. Et puis après, on va rentrer gentil. Gentillet. Parce qu'il faut que je vous dise, j'ai fait évoluer un petit peu notre base aussi. Le dimanche. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai le temps en chantant la la la. Si on faisait évoluer notre base, donc on a rajouté un petit peu des petits bouts par-ci et des petits bouts par-là. Ça, on a déjà. Quoi de beau, mon petit doigt, sinon? Ah bah oui, j'ai entendu, j'ai dit mais c'est quoi ce bruit là? Mais je l'avais pas vu, et il m'a arraché, mais je t'explique même pas, c'était incroyable. Allez. Fais voir. Et alors normalement, on va essayer un truc. Oui, ça c'est bon, j'en ai besoin. Non, un œuf de poisson, ça va. Et donc ouais, c'était ça que je voulais voir. Si jamais je passe là. Ah si si, quand même, il y a encore de la radioactivité quand même. Faut pas déconner, né, il en reste. Loupé. Je pensais qu'on avait fait notre job, mais pas tant que ça finalement. Comment ça s'est passé ton rencard, en fait, la dernière fois? Bon, on a des choses un petit peu là. On dirait. Allez, bon, on reviendra, parce qu'il me manque des choses pour le cyclope, en fait, normalement, il me semble, mais je sais pas encore où les récupérer. On les récupérera peut-être un tout petit peu plus tard, quelque part,
C'est peut-être bien par là, mais pas sûr qu'on les retrouve. On peut fureter un peu, mais on n'a plus beaucoup d'eau. Je serais plus tenté de rentrer en fait. Ah d'accord, ok. D'accord. Pourquoi tu m'as pas vu du week-end d'après toi? D'accord, ok. D'accord, parce que pour le cyclope, il nous manque quoi? Que je dise pas de bêtises. Le cyclope, il nous manque pas mal de choses. Il nous manque donc la coque, c'est bon. Le schéma du cyclope, du pont du cyclope, c'est bon. Et tu vois, il nous manque le cyclope, bien qu'il m'avait semblé l'avoir. Mais peut-être là aussi, ça bug un peu. Et donc, ah, trois moteurs. D'accord. Bon, ben, écoute, de toute façon, bah 6, 6, mon petit doigt, j'en ai 6. Pourquoi t'en voulais combien? Mais je pense qu'on arrivera, peut-être au gré des messages qu'on recevra, on arrivera à les trouver, je pense. Hein. J'avais regardé par là, là, un petit peu quand même. Si on peut trouver. Ouais, parce que là, tu vois, on a ce qu'il faut, là. Là, on a le bras. Donc, à mon avis, ça doit pas être loin de ça, là. On doit en avoir un petit peu de partout dans ces hautes herbes, là. Enfin, ces hautes herbes. Donc ça c'est un 9. Tu vois, ça doit être, à mon avis, ça doit être un peu par là, là. Si on a un bras là, on doit avoir le moteur par ici ou par là en fait. D'accord. Mais écoute, je regarderai, on regardera un petit peu. On regardera un petit peu la prochaine fois. Là, on va rentrer quand même, les gars. Bon, il faut qu'on prenne un petit peu d'eau et puis on va essayer de regarder ce qu'il nous faut pour le prawn aussi. Et puis on va faire s'améliorer nos bouteilles. On a pas mal de trucs, ne vous inquiétez pas. On a quand même pas mal de choses à faire. Donc, on n'a pas de soucis. On a pas mal. On a masse de choses. Mais je suis assez content. Tiens. Ah oui, on est déjà passé par là. Oui. Ah oui, hein. Je pense. Hein. Ouais. Avec le. Oui, ça, on reconnaît bien. Je reconnais bien le jouet là. On passe vraiment à peu près au même endroit toujours. Hein. De grotte avec des champignons. Non, ça me parle. Ça me parle pas, je pense que c'est du côté de la balise numéro 1 c'est en direction de l'île avec les avec les plantes dessus, je pense. Ça doit être un truc comme ça, il me semble. Allez, fais voir. Par contre, il y a un truc qu'il faudra que tu me dises, Rala Walou, parce que là, vraiment, on va regarder ensemble, mais j'ai pas compris du tout comment elle fonctionnait, la salle radio. Mais vraiment pas. Je vois qu'il y a des trucs qui s'affichent, mais après, je sais pas comment les repérer, en fait, une fois que tu es dans l'eau. D'accord. Bah écoute, on regardera ça. C'est gentil, en tout cas, merci. Donc ça. Alors, volontairement, je passe comme ça. Je vais vous faire passer juste. Hop. Ah voilà notre base. On est reparti un petit peu. On l'a agrandi, comme vous le voyez. Je vais vous approcher un petit peu. Malheureusement, il fait un petit peu nuit, donc du coup, vous allez moins voir. Mais voilà, on a agrandi un petit peu la base, comme ceci. Allez, on va rentrer par là. Allez, c'est parti. Eh bien, merci. Captain, il va boire un coup parce qu'il en peut plus. on va vider un petit peu tout ce qu'on a trouvé. Parce que mine de rien, on a trouvé pas mal de choses. On va regarder ensemble un petit peu tout ça. Et puis, je vais vous présenter ce qu'on a fait. Regardez, on a fait la salle juste là-haut, là.
On a fait pas mal de choses. On s'est amusé un petit peu dimanche en fait. Ouais, j'ai un peu de mal avec la salle de scanner, ouais. C'est un peu bizarre, ouais. C'est bon, je ne suis pas repéré, mais pourquoi? Mais si, j'ai vu ton truc, Master. Allez, t'en fais voir, on va. Ouais. Allez, fais voir, on va mettre ça là-bas dedans, là. Déjà, on va mettre ça, ça. On va y mettre ça, ça. Bim. On va venir ici. Mais pourquoi tu veux qu'on te frappe? Mais ça va pas la tête. Allez, on va manger un petit peu parce qu'on en a besoin en fait. Ah. Ça nous permet de boire un coup, pareil. Et c'était pas ce que je voulais faire. Espèce de bourricot. Allez, fais voir. Encore un petit peu. Et après, on va replanter un petit bout. Tiens, fais voir. Hop, on va manger ça, ça. Et là, on va replanter. Allez, je vais vous montrer après ce qu'on a fait, parce que finalement, c'est assez intense cette visite de l'Aurora. J'ai trop traîné chez Adu, ce qui ne plaît pas à mon descendant la galère. Mais non, mais pas du tout, ça va pas. Mais non. Alors, pour scanner, c'est pas un problème à la Walou. Ce que j'arrive pas à piger, c'est où est-ce que ça va en fait. Alors, de l'or, du cuivre et du lithium, on va poser tout ça. Le cuivre, il est là. On va ouvrir, on va mettre dedans, comme ça c'est fait. Bim. On a utilisé pas mal, on avait vraiment une belle belle réserve, et puis du coup j'en ai utilisé vraiment pas mal. Non, on est sur l'argent là, pourquoi? Lithium, pardon. Lithium et de l'or qu'il y a ici. Non, je veux quitter. Merci. Hop. Alors. En y allant avec un des drones de la salle, d'accord? D'accord. Ok. Mais écoute, on regardera si on peut avoir ça. Et je savais pas qu'on pouvait actionner les drones en fait. Hop, on va grimper là. Alors là, on va prendre. Normalement, il y avait l'aquarium là. On a toujours la table. On a toujours de quoi manger des chips, bien sûr. Et notre salle est ici. On avait mis ça ici. Et donc là, on cherche des dents de rôdeurs. Et du coup, ça fait un moment que ça tourne. Donc les dents de rôdeur, c'est quoi? C'est les points qu'on voit là? C'est ça? Et donc, fais voir, caméra de contrôle. Ok. Je sais pas pourquoi on voit rien là, mais tout va bien. Mais c'est pas grave. C'est rigolo ça. Ah bah tu vois, il n'y a pas que moi. Oh là 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 là. Allez hop. Non, il veut pas. Ce soir, il veut pas. La caméra de contrôle, les gars, ça veut pas ce soir. Hein. Tu sais pas pourquoi. Ou alors, il y a un éléphant qui s'est posé juste devant, tu sais. Non, jamais. Jamais, jamais. Mais je sais même pas si j'ai un drone. On a un drone? Non. Fais voir. On va regarder ce qu'il nous faut pour la puce UHD. Ouais, il faut. Ah ouais, mais il faut de la magnétite. Je sais même pas où ça se trouve, ça. Allez, je finis de vous faire visiter la salle, et puis après on essaye de regarder ce qu'il nous faut pour du coup pour le prone, qui nous permettra de descendre un tout petit peu plus profond, d'après ce que j'ai compris. Donc là,
On a la base est pas finie, je crois qu'on peut sortir par là, ouais. On peut sortir par ici. Comme ça, je vous montre un petit peu. Là, on a refait une salle. Donc, si on est un peu bas, si on est en bas. Donc là, on a un bioréacteur qui est ici. On va se mettre à cultiver aussi quelque chose. C'est pas par la galère pour rien, mais oui. Pas normal, essaie de sortir, de le retirer, de le remettre dans sa case de rangement. Ah bah écoute, on va aller voir. Et alors. C'est quoi? C'est par ici? Non, c'est pas par là. Je sais même pas de quoi tu me parles parce que je l'ai jamais utilisé en fait. Caméra. Quoi, on peut utiliser ça, c'est sûr? J'ai pas l'impression. Va chercher la caméra, hein? Mais c'est quoi? Mais tu me parles chinois là, Ralawelou. Ah, elle est là-bas, tiens. D'accord. Et du coup, là où elle est, il y a une dent de rôdeur, c'est ça? Où ils sont? Où ils me l'ont chaud? Ils me l'ont chourave. Ah non, elle est là. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Coquine? Ramasser le drone. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais là, le drone? Moi aussi, je drone beaucoup. Non, bon. On ne sait pas. Ça fait partie des mystères de la vie. Bah, ils sont pas gentils. Et alors, du coup, ça se met où, ça, la cam? On la repose là? Attends, je vais reprendre de l'air. On va regarder ça. Et donc tu les mets où? Tu les mets là, là? C'est censé être là? Sur une des parois. Bah ouais, mais... c'est bizarre que ça clique pas dessus, fais voir. D'accord, ok, bah écoute, on va la... Ah, ok, il faut la signer. Non. Ok. T'es un peu bizarre, toi, la cam, hein? Est-ce qu'il faut la réparer? Non, ça a l'air d'aller. Ok, bon, on n'en était pas là. On était en train de dire que... Oui, qu'on avait fait une salle. Qu'on allait planter aussi des... on allait planter un petit peu des plantes de type plante à l'extérieur, de type liane comme ça, pour pouvoir mettre dans notre générateur qu'on a bio, dans notre bioréacteur qu'on a. Ah non, pas par ici. Il est par là le bioréacteur. Et juste en face. C'est ça, mais c'est ce qu'il y a de bien, mais c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Non, mais non, t'inquiète pas. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Master, mais en même temps, c'est fait pour quoi. Je fais pas des lives pour être tout seul devant la truc, et puis bah, des fois un coup de main ou deux, ça fait plaisir, et puis ça fait du bien quoi. Tu veux descendre, chouchou? Ah. Donc là, normalement, c'est en bas. C'est ça. Non, je veux descendre. Est-ce que tu me remets? Voilà, merci. Il faudrait que je fasse autrement. Donc là, on a le générateur qui est inactif, le bioréacteur, puisque normalement, il faut y mettre dedans. J'en ai mis la dernière fois, mais là, pour l'instant, il n'y en a plus. Ça arrive d'être seul devant le truc, ouais. Ça arrive, Master. N'importe quoi, ce Master. Et là, j'ai mis la station de modification. Je l'ai mise ici. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut faire couteau de survie. Stérilise les petits organismes. D'accord, c'est un couteau et une pile. Ok. Amélioration de palme, fais voir. Caoutchouc lithium. Palme ultra glissante, d'accord.
Amélioration de canon à propulsion. Circuit magnétite. Ok. Amélioration pour cyclope. Module de profondeur. Ok. Amélioration pour cimote. M15 plastocier. Ah, d'accord. Cimote de niveau 2. Et cimote de niveau 3 avec du rubis. D'accord. Ben, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Un lingot de plastacier, je ne sais pas ce que c'est par contre. Et amélioration pour le prone. Amélioration de MK2. Ouais, mais ça, en fait, c'est pas. Pour être honnête, c'est pas. Dès lors que je le demande, ça me gêne pas, quoi. Mais bon, quand tu fais ça avec des gens intelligents comme toi, tu vois, ça se passe nickel. Tu vois que je galère un peu. Il y a des fois, j'ai besoin d'un coup de main. Des fois, je préfère chercher tout seul. Palme, caoutchouc, titane et lithium. Tiens, tu vois, ça, on peut faire. On va prendre sur nous. Ça, par contre, on va améliorer les bonbonnes d'air. Réservoir haute capacité. On l'a sur nous. Normalement, ça devrait le faire. Et 4 de lithium. Donc ça, déjà, on va aller le faire d'entrée. Et on pourra remettre des armoires ici, mais j'ai pas eu le temps de faire. C'était exactement ce que je voulais faire, mais j'ai pas eu le temps et je voulais remettre une sortie aussi pour qu'on puisse, ah, pardon, pour qu'on puisse re-rentrer là-dedans tranquillement et pas faire tout le tour. Mais pour l'instant, bah, c'est comme ça. Pour l'instant, on est un peu comme ça. On est un peu bloqué, mais voilà, il faut regarder un petit peu le prendre avec quoi on le fait. À mon avis, avec la baie d'amarrage à l'extérieur. Mais ça, on verra plus tard. On va déjà commencer à essayer de se faire l'amélioration là, donc on va prendre un petit peu de, bien que j'ai pas grand chose, on va essayer de prendre un petit peu tout ce qu'on a. Tout du moins en titane, on en a passé beaucoup en faisant un petit peu tout ce qu'on avait à faire là. Attends, on va essayer de se larguer ça là parce que du coup, on va déplacer ça, déplacer ça, déplacer ça. Ça, c'est quoi ça? Module d'amélioration du cyclope, on va le mettre là aussi. Est-ce que je peux remettre ça dans une armoire fourre-tout? Est-ce que j'ai une armoire fourre-tout? J'en ai pas. J'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus. Alors on va le mettre, fais voir. Avec le diams, par exemple. Regarde ça avec le diams. Et le petit bateau, on va le mettre avec le diams aussi. Si, mais on fera ça tout à l'heure. Ce que j'aimerais faire là, pour tout te dire, c'est il me faut du lithium, on a dit. Je savais qu'il allait en falloir pas mal de ça là. On a dit du caoutchouc, il me semble. Fais voir un petit peu si j'en ai. Normalement, oui, pour pas toger dans la gadoue, il faut bien du caoutchouc. Ok, ça. Eh hey, coucou frère la galère, t'es en forme? Excuse-moi, j'ai pas vu, j'avais pas fait attention, excuse mon Lio. Comment tu vas? Ça fait longtemps, on s'est pas eu de la journée en fait, on s'est pas eu de la journée du tout. Ça va, t'es en forme? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je me souviens plus ce qu'il faut d'autre. Ok, allez. On va voir si on arrive à faire quelque chose là. Eh bien, un réservoir haute capacité, j'en ai un sur moi, tu te moques ou pas? Ou bien? Est-ce qu'il se moque ou bien? Amélioration des palmes. Alors, fais voir. On va faire ça. Réservoir haute capacité. C'est haute capacité? Oui, c'est ça. Déséquipé. Bim. Voilà. Donc ça, maintenant, je pense que voilà. Mais c'est pas beau la vie. Ouais, moi aussi, un tout petit peu cuit, je dois te dire. Et alors, pour les palmes. Qu'est-ce qu'il nous faut? On a du caoutchouc, hein? On a les palmes, mais regarde, on va faire comme ça, et on va faire comme ceci. On va déséquiper. Bim. La même chose que tout à l'heure. On a des palmes, mon pote, elles sont nickel. Ça va glisser sur l'eau comme un pet sur une toile cirée, les gars. Pardon, désolé, je la trouve très bonne. Et le canon de Navarone, il faut un circuit intégré, de la magnétite, on n'en a pas. Ça, on a quoi? Des lingots de plastacier. Lingots de plastacier, on n'a pas cette drôle d'ustensile là. On va aller voir un tout petit peu plus haut comment on fait des lingots de plastacier si on peut.
et du diaphane. Nous n'avons point de diaphane, les gars, mais ça c'est pour l'amélioration prone. On n'avait pas une amélioration là, je me souviens plus très bien. Si, si, on a des améliorations là, pardon. Ah oui, module MK2 et module MK2, mais il faut de la magnétite, donc pour l'instant on n'a pas. Ah, je fais des piscines, des saunas, des hammams, des jacuzzi et l'idiot. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais en fait, le sable, c'est une des possibilités de masse filtrante pour les piscines. En fait, tu as le sable, tu as le verre, tu as même des boules de. J'appelle ça des boules de coton, mais c'est pas exactement ça. Et t'as pas mal de médias filtrants. T'as du diatomé aussi, c'est des petits coquillages. Grosso modo, c'est des petits coquillages. T'as plein de choses comme ça. Petit oiseau, toi qui n'as pas d'aile. Non, je veux pas faire ça. Non plus, non plus, non plus. C'était pas ça. Alors fais voir. Mais il y a une autre caméra qui est là en plus. Mais t'as fini, mais tu te calmes. Tu vas voir toi. Viens ici avec ma cam. Mais pourquoi ils me piquent mes cams ces trucs là là? Oh, Jean-José. Tiens. Elle est où ma cam? Dégage. Mais ça va pas la tête. Mais rends-moi ma cam, sale nain. Mais t'es sérieux là? Ils viennent te chouer tes cams, ces trucs là. Et ça va lui faire mal à lui s'il continue. Du coup, j'en en étais où? Des boules de. Mais ça va pas la tête, Lio. De quoi tu parles? Fais voir, on va regarder là, là sur la baie. Je l'avais ramené exprès. Je l'avais rapproché de nous. On grimpe par là, il me semble. Yes. Escalader. Et donc. Véhicule. Donc ça on peut pas, ça on peut pas, mais ça on peut. De l'aérogel. Du verre émaillé, du plomb, du diamant et des lingots de plastacier. L'aérogel, on arrive à le récolter. L'aérogel, c'est les petites boules. Je savais même pas qu'on pouvait en récolter de ça. Mais bon. Du coup. Alors oui, en règle générale, le truc du genre, c'est super. Ouais, c'est eux qui les déglinguent. Il va falloir trouver quelque chose. D'accord. Bon, écoute, c'est pas grave. On la déplacera, on la mettra un tout petit peu plus loin. Peut-être on la poussera par là-bas, en cas. C'est par là. Allez, on va descendre. Est-ce qu'on a le schéma du lingot de plastacier ou pas du tout? Alors, titane. Ouais, plastacier, c'est là. Des lingots de titane. Oh, mais c'est pas vrai. T'es sérieux là? Trop fort. Ah, du coup, il va falloir flincher, les gars, parce que là. Ouais. Alors. Je crois que j'en ai pas. Hein. Ça, c'est bien dommage. Alors, attends, on va lever ça. Il faut qu'on aille récolter du titane. Du lithium, on en a suffisamment. Ouais, du lithium, c'est bon. Il y a ce qu'il faut. On peut en prendre un petit peu. Hop. Il faut qu'on aille récolter du titane. Fais voir. Ça tombe bien. On va aller voir les chouchounettes à la crème là-bas. Je m'enfuis chez Adu. Ah, ben alors. Ben, un bisou à Adu, alors, mon petit loulou. Si t'es pas bien ici, hein, tu peux y aller, hein, t'inquiète. Hein. Je t'en voudrais pas. Hein. N'importe quoi.
Non, mais je comprends, tu préfères aller chez Adu, je comprends. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop là, tiens, ça t'apprendra. Ça, j'aimerais bien faire aussi un bac pour cultiver ça, pour que j'en ai toujours sur moi. Alors. Un petit peu de plomb, parce qu'il en faut. De l'argent, parfait. Parce qu'il faut jamais être à court. Du perlon, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est en fait, c'est pas des boules de coton, en fait, c'est des billes de textile finalement. Et ça te permet de filtrer l'eau. Mais ça ressemble à une boule de coton, alors c'est pour ça que j'appelle ça comme ça, mais en fait c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça du tout même, du reste. Mais alors est-ce qu'on a encore un petit peu de. T'es sérieux là? Coup de scanner. S'il y a quelque chose, il n'y a rien. On est passé à une profondeur d'oxygène qui est assez confortable, je dois dire. Avec les nouvelles bouteilles, c'est plutôt pas mal. Pourquoi elle est pas gentille, Adu? Il y en a plus par là normalement. Fais voir où est-ce qu'on est. La balise est là. Nous on est par là-bas. On va y retourner. Normalement, on ne devrait pas nager plus vite avec les nouvelles pames. J'ai fait une blague, ça lui a plu. Elle est adorable, Adu. Vraiment adorable, les gars. Je vous conseille, si vous connaissez pas, d'aller voir chez Aducine. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment une fille sympa. Et ses lives sont toujours sympathiques. Comme les lives de mon petit doigt, d'ailleurs. Je sais pas s'il est encore là. Ah, si. Si, il est là. Il est encore là. Vous pouvez y aller les yeux fermés aussi. C'est pas mal. Pas mal d'être avec des gens comme ça, de toute façon vous tromperez pas, je vous emmènerai voir que des gens qui sont bien. Peut-être j'avais pas réalisé qu'on avait autant d'oxygène en fait. De 225, c'est vraiment propre quoi. Alors mes amis, vous êtes gentils, mais les ferrailleurs de l'océan là, donnez-moi un petit peu de la ferraille. Alors ils sont là. Donc s'ils sont là, c'est qu'il doit y avoir de la ferraille encore là, là. T'as pas de ferraille toi? Chouchou. Donne de la ferraille. Ah, regarde. Voilà. Allez. Ça roule mon poulet. C'est pas faux. Quand on ouvre nos mains, il suffit de rien, 10 fois rien. Tiens, il faudra que je la remette, la cam. Du coup, on va prendre et on va faire. Yep, c'est ici que ça se passe. Ok. Je me souviens plus combien il en faut, mais c'est pas grave. On va refaire de ça du titane. À peu près, oui, à peu près, toujours à peu près vers 22 h, on quitte ça ou un tout petit peu avant, mais généralement, ouais, c'est ça, c'est le tarif. Puis surtout sur ce jeu-là, là, ouais, enfin, je dis surtout sur ce jeu-là, mais en fait, sur la plupart des jeux qu'on live à 20 h, en fait, ouais, ça, c'est un peu plus tard, ouais. C'est généralement jusqu'à 22 h, ouais, ça nous permet de faire quelque chose de. Elle est où la baie là? Elle est là-bas. Ça permet, je trouve que c'est sympa en fait. Ça permet d'avoir 2 heures de jeu pleine et ça permet d'avancer bien bien les jeux en fait. Hop, alors fais voir. Est-ce qu'il nous manque encore quelque chose? Véhicule.
Alors. Ah oui, mince, Dieu. Ah, mais il me faut aussi des dents, il me faut de l'aérogel, ça va être compliqué tout ça. Alors. On va se faire les lingots, je me souvenais plus. Mais ils ont pas fini de me les chourer, les trucs. Je vais vous déglinguer, les mecs. Hop. C'est fini, tu la quittes. N'importe quoi, master. N'importe quoi. Ok. Alors. Voyons si on peut faire du plasticier maintenant. Ouais, on peut faire. Mais on peut en faire qu'un, je pense. Donc il faut retourner chercher du titane, tu vas voir. Puisque ça, il en faut deux. Allez. Je vais les stocker là. Oh punaise, je peux pas les mettre là. Allez, on va prendre ça. On va venir comme ça parce que je sais pas pourquoi ça l'a pas pris tout à l'heure. Ou alors on a oublié de le faire. Mais c'est pas grave. Voilà, hop. On va manger. Hop, on va replanter celui-ci aussi, comme Félicie. Hop. Alors, a dû elle demander à Kaka04. Ah, c'est dur ça comme pseudo. Ah, tu leur fais du boudin. Ouais, après, enfin, elle est pas très fine hein, non plus, quand même, ta blague. On peut l'admettre, hein. On peut admettre qu'on a connu mieux comme blague. Allez, on va continuer à chercher un petit peu du. Il faudrait que je refasse une armoire là, parce que purée, on se ruine avec ces trucs là. Est-ce que je peux mettre encore quelque chose là-dedans ou pas du tout? Il me semble que oui. Il ne doit plus y avoir de. Ouais, tiens, regarde, on va les bourrer là, les trucs, parce que je peux plus me les voir en peinture, ni en sculpture d'ailleurs. Et du coup, comme ça, on est tranquille. Hop. J'ai 4 ans. Ah, c'était une blague. Mais mon master, c'était pas, elle était pas terrible. J'avoue qu'elle était pas terrible ta blague, mais bon, ça arrive à tout le monde d'en faire des un peu pourris. Surtout le problème dans ces choses-là, c'est que des fois les gens ils peuvent se vexer en fait. Et il faut éviter quoi. Faut éviter de vexer un petit peu les gens parce que il y a des susceptibilités des fois. Et du coup, ouais, si on peut éviter de se vexer les gens, c'est mieux. Mais moi spécial, je trouve rigolo que t'aies pu faire une blague comme ça en fait. Je trouve rigolo parce que t'es beaucoup plus fin que ça d'habitude. Donc du coup je trouve ça très drôle que t'aies fait une blague toute pourrie parce que ça arrive à tout le monde de faire des blagues pourries en fait. Allez. Et moi j'aime bien les blagues pourries, des fois c'est rigolo quoi. Mais elle était pas bonne, hein. On conviendra qu'elle était pas très très bonne, mais je cautionne pas, mais elle m'a fait rire. Voilà. J'avoue qu'elle me fait rire. Fais voir. Un petit peu de titane là aussi. Je vais prendre un fusil un de ces quatre là. Je vais venir vous flinguer tous. Oh bon, allez, comme ils sont cons ces bestiaux là. Hop. Hop. Voilà. T'es où? Là. Tiens, regarde, ça sert à rien ce que tu fais. Oh, des dents. Des dents de rôdeur, les gars. Oh là 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 là, c'est Noël. C'est Noël, il y a des dents de rôdeur. Ah, pour le verre émaillé, ça va être nickel. Désolé, hein, je vous ai fait vomir, mais il a fallu aller vite. Salut. Oh là.
Dead and Rodeur là ici. Non, je m'en moque. Je m'en vais, nananer. Non, mais je suis d'accord. Des fois, non, mais là où je suis d'accord avec toi, Master, pour être vraiment tout à fait complet là-dessus et finir avec cette petite interlude, il y en a des fois, ils choisissent vraiment des pseudos. Faut pas déconner, quoi. Faut pas pousser mémé dans les orties. Des fois, j'avoue que. Ouais, tu cherches, tu vois, c'est comme le mec, si un mec il vient sur ton live et il a la mauvaise idée de s'appeler comme un gars qui a martyrisé un peuple, tu vois, par exemple, tu vois, et donc du coup je cautionne pas, et c'est vrai qu'il faut pas venir pleurer après, tu vois, c'est un peu du troll, le mec il s'appelle I007, tu vois, bon, il aurait pu choisir autre chose, quoi. Voilà, c'est pas très très grave, mais il aurait quand même pu choisir autre chose. Il y a quand même mieux que des noms, des pseudos comme ça, quoi. Ouais, par exemple, mais je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que je dis, Lio. C'est vrai qu'il cherche, quoi. En même temps, tu peux pas, tu t'appelles caca, ouais. Je sais pas, moi tu viens sur mon live, tu t'appelles caca, il y a un moment donné je t'appelle caca, c'est la catastrophe, déjà d'entrée, tu vois. Mais non mais je comprends, attends, le mec il s'appelle caca, il faut pas déconner, quoi. Donc je comprends que t'aies pu faire une blague, ceci dit, et je comprends que, non mais t'es sérieux, mais grimpe, que des fois il y a des gens qui peuvent prendre des choses un peu mal avec leur, mais après ouais, ils ont qu'à pas avoir des pseudos à coucher dehors avec des tickets de logement aussi, c'est mieux. Alors, on va faire comme ceci. Après, on répondra un petit peu à un appel, à l'appel de la forêt, à l'appel à un ami, à l'appel de ce que vous voulez. On va faire ça. C'est les caleçons de chez Casport. Oh oh. Oh oh pété, oh oh. Les caleçons de chez Casport. Du coup, ici, c'était où? C'était là. Voilà. Après, il faut qu'on fasse. Ouais, 007, ça fait penser à James Bond, ouais. Mais. Ouais, j'en sais rien. Allez, on va revoir. Je suis d'accord, le pseudo est pas opportun. Après, la blague, elle est pas, tu vois, elle est pas, mais bon, c'est pas grave, quoi. Il a qu'à pas s'appeler comme ça et puis point barre. Lis mon dernier message, s'il te plaît. Il a dit à Dieu, je te propose que si à 21h30 tu as 1000 follow. Tu sautes, tu meurs et tu regardes. Et comme elle avait mis le faux l'eau, elle n'a pas trinquité. C'est quoi trinquité? Ah, ça y est, elle a 1000 followers. Mais bravo, bravo à elle. Mais quelle. Qu'est-ce que ça doit être? Ça doit faire tout drôle. Bravo. Vraiment bravo. On ira lui faire un coucou tout à l'heure, en tout cas. Donc maintenant, l'aérogel, du verre émaillé et de 2 diamants. Hop. Mais il s'approchait pas si près, il me chourait pas les caméras avant ces gonzagues là. Ah, elle a pas les 1000 follow, mais elle va les avoir, vous inquiétez pas les gars, elle fait du bon boulot, elle fait vraiment du bon live, elle fait du Minecraft, mais elle le fait bien, donc du coup c'est vraiment pas mal. Du verre émaillé, allez, on va prendre du verre. Oh, mais il me reste pas grand chose, hein. Mais il me reste vraiment pas grand chose, les gars. Wow. Hop, hop.
ça nous prend un peu d'énergie tout ça, mais c'est pas grave sur la base, mais vous voyez qu'on est assez excédentaire. Voilà, ça c'est bon. Purée, on a plus grand chose hein. On a vraiment plus grand chose les gars. On va y mettre les dents. Je vais mettre les dents ici en fait, comme ça on y sera bien. En fait, je me sens bête, mais il faut pas, c'est pas grave. Non. Mais il nous manque des il nous manque des choses là, je crois. Fais voir. Il est où? Il est là. Est-ce qu'on a... Oula. Ok. Non. Et ça? Ah oui, on a du bureau, on a plein de trucs là. Ok, on a une poubelle, mais ça c'est pour la déco uniquement. C'est quoi ça? Étagère murale, ok. C'est pas ça. Et il y a des choses qu'on sait pas encore faire par contre les gars. Mais vraiment pas. Alors ça dépend ce que tu entends par filtration chimique, mais en fait... c'était pas là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Ouais, tu as... alors tu as le filtre à sable par exemple, ou à diatomée, ou à ce que tu veux. Ça, ça te garde les impuretés à l'intérieur du filtre. Et après, en complément de ça, tu as des traitements. Alors normalement, si tu peux y mettre du chlore dans tes skimmers, mais après tu as des appareils automatiques pour ça, ouais, pour gérer ça. Bah ça dépend master, ça dépend des jours, il y a des jours où t'as envie de délirer, puis d'autres pas, c'est pas un problème non plus quoi, il n'y a pas mort d'homme. Tu voulais... Il n'y a pas mort d'homme du tout, c'est pas un problème. Hop. Je me souviens plus de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, si. Hop, je vais voir un peu. Ici, je voulais aller là. Allez, on va y mettre ça. Ça va produire de l'électricité tranquillement. Je voulais regarder. Du lingot, du verre émaillé. Bon, ça c'est pas bon. C'est bon. Alors maintenant, il nous faut des... Des trucs que je sais pas du tout ce que c'est. On va grimper. On va regarder si on a d'autres choses là-dedans qui nous sont possibles. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé là? Ah oui, il a trouvé plein de trucs là. Ok. D'accord, on va aller boire un coup. Donc ça c'est des dents de rôdeur. Il a trouvé les dents de rôdeur. Caméra de contrôle. Caméra de contrôle, il n'y a rien puisqu'elles sont toutes, elles sont toutes stockées. Ok. Eh ben on va pas tarder à s'arrêter en tout cas les gars, juste je vais aller sur la truc, on va écouter un message radio déjà, et puis après on va aller sur la baie. Alors ici la capsule 7, coordonnées jointes, la capsule est en bon état, mais le fabricateur est fichu. Demandant assistance, terminé. À proximité de la tension, un banque de données, fais voir. Alors, fais voir. Origine de la transmission de la capsule de survie, les signaux de détresse a été reçu la capsule de survie 7, mais les coordonnées jointes ont été corrompues. Les dernières données photographiques disponibles ont été téléchargées et analysées. L'équipage a signalé de nombreux problèmes avec le fabricateur à bord. Il a coulé à 200 mètres dans une zone à faible activité écologique originaire de la transmission, 1 km au sud-ouest de là. Alors ça, j'arrive toujours pas à le faire, je crois. Fais-moi. Non. Fais voir un peu. Hop là, comme ça. Et tu vois, j'arrive jamais à... Ah, voilà.
un kilomètre au sud-ouest de l'arrière de l'Aurora, partie arrière de l'Aurora. Bon, on va aller faire un tour. Salut Yo-Yo, comment tu vas? T'es en forme? Ah, mais ça va, il n'y a pas mort d'homme, Yuyu. Il n'y a pas mort d'homme, t'inquiète pas. Ok. La capsule numéro 7. Mais écoute, on va aller faire un tour. On va monter sur la baie là. Et puis en même temps, comme ça, si on voit de l'aérogel, ben, on en prendra. Je crois savoir ce que c'est, mais je sais pas, je savais pas qu'on pouvait le récolter en fait. Allez. Je savais pas qu'on pouvait le récolter. Alors, du coup, l'arrière de l'Aurora, normalement. On va regarder, mais il est hop, par ici. Oh là, autant pour moi. Un kilomètre au sud-ouest de l'arrière de l'Aurora. Est-ce qu'on a des trucs là à regarder ou pas? Fais voir. On va passer comme ça là. Ça nous évitera de nous recogner. Ouais, y a quasi pas de fond là. Mais bon. On va faire le tour. Salut les chouchous. Je peux aller vite dans... Ah mince. J'avais pas vu. Ouais, il faut... Il faut qu'on bouffe. J'avais pas vu ça. Zut. Désolé, faux départ les gars. Alors tu peux aller vite fait dans tes signes... Dans tes signaux. Ouais. Attends. On va regarder ça. Mais j'avais pas vu que j'avais pas bouffé non plus. Je suis vraiment désolé, on s'est fait un... On s'est fait un faux départ. Ça m'arrive. Alors, dans les signaux. Il voulait... Tu voulais que j'aille dans les signaux? Alors, dans les signaux, c'est où? C'est là-haut, non? Hop, ici. Donc là c'est mes balises et puis après donc capsule de survie numéro 17, capsule de survie 3 dans les bas-fonds. Chut mon petit doigt, ici c'est yo-yo. Capsule de survie numéro 17, d'accord. Et là-bas c'est quoi? C'est pour les pour la CIMOT, c'est ça? Alors fais voir, on va le mettre On va se la mettre là, bim. Ok. Maintenant, 2 secondes, il faut qu'on aille chercher à bouffer, les gars, et à boire, parce que là, effectivement, on n'est pas bien. Allez. Comme ça. Alors là, ça vient de pousser, on va se mettre là. Yep. Quoi de neuf, mon yo-yo? T'es en forme? D'accord. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et allez, on va manger un petit bout. Il nous manque. On n'a pas fait attention, on allait partir sans en fait. Bim. C'est l'eau part beaucoup plus vite que le reste en fait, que la bouffe, je trouve en tout cas. Allez, 3, ça devrait suffire. Wow, des fois ça bug. On va par contre, on va sauvegarder la partie parce que j'ai toujours peur qu'on ait un problème. Eh ben, bon courage à toi, mon master. Bon courage à toi si t'es en brevet blanc demain. Ok, un univers émaillé, on a tout ce qu'il faut. On va du coup, on a bien mangé. On va prendre. Bim, un kit médical sur nous. Ouais, comme ça on est bien. Et alors, on va aller du côté de la capsule numéro... hop. Numéro 17. Comme ça on va fureter dans les alentours. Et même si on part de nuit, c'est pas grave, fais voir où est-ce qu'on est. Là-bas. Ah, c'est à 300 mètres. Ah, c'est pas si loin que ça en fait. Attends, je vais sortir un petit peu là, parce que on n'a plus beaucoup de...
On n'a plus beaucoup de quartz, donc comme ça au moins on en fait un petit peu la récolte. Là-bas généralement il y en a ici. Alors fais voir un petit peu. Est-ce que j'ai quelque chose là encore? Là. On en a là. On aurait dû partir deux jours, mais bon. Ah, oh, bravo Yo-Yo, bravo à toi. Quel bonheur de ne pas travailler pendant 3 jours. Oh, j'aimerais bien. Vraiment, j'aimerais bien. Je dois te dire que j'ai pas arrêté, pas spécialement arrêté du week-end en fait. Et du coup, je suis un peu cassé, hein, mon Yo-Yo. Mais bon. Hop, voilà. Normalement. Ok, allez, c'est bon, on va reprendre le cimote. Ok. Non, je crois pas. Je pense pas me souvenir. Non. C'était ça. Est-ce qu'on peut? Est-ce que ça doit être avec ça qu'on fait de l'aérogel, non? Ah mais non, ça descend trop fort. Ça descend, c'est rigolo. Alors. Peut-être on devrait prendre le. Attends, on va essayer de descendre un peu plus près. Ah, la météo, ouais, tu m'étonnes. Ouais. c'est ça, Master. Non, mais on n'est pas à la pièce, hein, chouchou. On n'est pas du tout à la pièce, tu vois. Mais alors, la capsule est là. La capsule est là. Tu m'avais parlé d'une grotte, on va essayer de descendre là, alors du coup. Est-ce que ça passe là? Maman la galère va pas être contente. Effectivement, là. Non, elle est toujours contente, maman la galère, vous savez. C'est la femme la plus gentille de la création. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Salut. Ah oui. Waouh, salut vous. Punaise. Ah oui, j'avais oublié ça, tiens. J'avais complètement oublié ça. Il cherche comment partir, il s'installe sur l'île et découvre la présence des structures aliens et contracte la maladie et décide d'aller s'en... perdu leur base, ensuite un éboulement, cherche... Comment quitter la planète? Voilà, voilà. C'est ça. D'accord, ok. C'est quoi ce truc-là, là? Là, c'est quoi ces petits verres, là? Ah, ça, c'est là-dedans, ça. D'accord. Bon, on va y aller tranquille, les gars. Où va-t-on? On ne sait pas. L'où y es-tu? Que fais-tu? Je mets ma... Ah mais non, mais regarde, il y a la... on voit notre maison d'ici. Du coup, fais voir. On descend là. Ok, là on était descendu là, c'est vrai, j'avoue.
Je vais voir qu'est-ce que c'est ça. Ah non, c'est des verres ça. Ok. J'aime pas bien ces bêtes. Vraiment les gars, j'aime pas bien, mais... Là, je vois rien pour l'instant. Bonne nuit, mon bébé, bonne nuit. Bonne nuit, chouchou. Moi, je me doute, hein, tout ce qui traîne par là, je sais pas si c'est par ici, ou si c'est plus par là, ou si on descend encore. Donc là, on a ça. Déjà. Du coup, s'il y a ça là, on a un PDA qui est juste là, on va aller le ramasser. Je vois déjà. Ok, détail téléchargé, détail de l'environnement, ok. Est-ce qu'on a quelque chose à machiner là? Non. Non. Mais ils sont venus s'enfermer là-dedans là. Ok, on a de la caillasse là. Oui, un peu de diamant. Tu. Je vois pas grand chose là, vraiment. On voit pas de structure. Ah, de la magnétite. GG. Ok. Ça sent super grosse quantité. Là, je vais cramer là. Hop. On se casse de là, avant que ça nous crame. Ok, par ici. Qu'est-ce que c'est ça? De l'or? Hey! Tu te calmes. Il faut que je retrouve mon appareil. Je sais pas où il est. Je le vois pas. Le Simote. Je sais plus où est-ce qu'on est. On est là-bas. D'accord. Champi gelé. On va les prendre aussi. Ok. Essayer de faire le tour là. Allez, on va la photographier la magnétite. Là, ah, inventaire plein. Alors, fais voir. Je l'ai pas déchargé. J'ai pas déchargé l'ouverture. Ah, j'ai pas déchargé le stockage. Mais quelle nouille incommensurable, les gars. Ah, c'est pas grave. Allez, fais voir. Déjà, bim. On va rentrer là-dedans. Se mettre à l'abri. Là, il faudrait y descendre encore un peu. Donc là, on a quelque chose ici. On va essayer de descendre encore. J'ai une balise là. Une balise ici, là c'est pour remonter, mais nous on va descendre un petit peu encore. On est à combien? 230 mètres. On doit pouvoir glisser un petit peu plus, mais bon. Ok. Oula. Ok.
On en vient de là, hein. Non? Bon. Si, on en vient. Je pense qu'on en vient. Ah, je n'ai pas vu le signal. Ah, si, là, regarde, emplacement de. Mais oui, mais j'avais pas vu, excuse-moi. Allez. Waouh. Il y a du courant par là ou c'est moi? Vieux. Puis là, on peut plus rien prendre en plus. Non. Ouf. D'accord, ils sont allés se mettre là, dis donc. Ok. Eh, mais écoute. Bim. Alors, fais voir si on a quelque chose ici qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est ça? Fragment de centrale thermique, ok. Quoi? Hors tension? Comment ça? Comment ça, hors tension? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait le truc? Mais. C'est sérieux? Mais t'es sérieux là? Plus de piles? Ah, sa mère, est-ce que j'en ai là? Ça va, je dois en avoir. J'avais jamais vu qu'il fallait des piles là-dedans, mais tu te rends compte, toi? Punaise, comment je fais? Comment je fais? Je vais faire comme ça, regarde. On va utiliser. Hop, on va déplacer. Bim. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Allez, on va y regrimper dedans pour prendre notre respiration. Et puis, on va redescendre, visiter tout ça. Ah ouais, mais tu vois, je savais pas qu'il y avait des piles dans le scanner parce qu'on l'utilise tellement en fait que je pensais pas qu'il y avait des piles dedans en fait. Comme on l'utilise, je l'utilise, j'ai jamais changé les piles depuis qu'on a commencé donc c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, qu'est-ce qu'on a? Centrale thermique. Ok. Oula, c'est quoi ce bruit là? Alors, est-ce qu'on a quelque chose? On peut rentrer toujours par là ou pas du tout? Non, l'écoutille ne fonctionne pas. Un fusil de stase encore, mais on a déjà, non? Ouais, on doit avoir déjà. Centrale thermique, ok. Donc, tout ça on a. Qu'est-ce qu'on a là? Fragment de fusil à stase. Eh ben, ils nous le vendent le fusil à stase. On va faire le tour de l'autre côté. Et puis après, on va rentrer dedans. Fusil à stase, c'est ça? C'est ça. Garçon, la même chose? Est-ce qu'on peut rentrer comme ça là? Non. Non. Non, on peut pas. Et là. Oh! Qu'est-ce que. Projecteur, d'accord. On n'avait pas le projecteur. Non, j'ai pas construit le fusil à stase, ouais.
Mais y a des fragments, des trous dans la coque de partout, mais tu peux pas rentrer, t'sais. Alors, fais voir. On va passer par là-bas. Est-ce qu'on a quelque chose par là ou pas? Un PDA. J'ai bien fait de chercher. Allez. Non, là non. Ah, pareil, de filtrage d'eau. Ah, oh, c'est le GG, ça. Oh, ça, c'est bon, les gars. Je sais pas combien il en faut, mais c'est super bon, ça. Ah, oh, ouais, mais oui, mais oui, mais oui. Attends, on va ressortir. Tranquille. On va reprendre de l'air. Punaise, c'est bon, ça. Attends, on va regarder un petit peu ce que c'est. Appareil de filtrage d'eau. Alors, les projecteurs, ok. Exactement. Ah, mais c'est bon ça. C'est juste l'aérogel. Je sais pas comment le faire. J'ai pas le menu encore. Mais on va trouver. C'est pour ça que j'ai pris les petits trucs là. Je pensais qu'avec les petits trucs que j'avais pris, avec ça, tu pouvais faire de l'aérogel. Je pensais, mais peut-être c'est pas ça. Hein. Allez, fais voir. Hop. On va essayer de passer comme ça. On va aller prendre le PDA qu'il y a là. Alors. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, je pensais que ça pourrait devenir claustrophobique. Vu sur l'eau, père le pense, lui. Il me disait que c'était immature, que je regardais par la fenêtre et parfois que je me disais que j'avais de la chance de voir ce monde de près. Quand on était sur l'île, j'aurais jamais imaginé que toutes les créatures qui vivent ici, les poissons, ils luisent. Il y a même un qui a un globe oculaire représentant 90% de son corps. Des serpents deux fois plus longs. Ok, allez, on va continuer parce que je veux pas mourir. Est-ce qu'on a quelque chose par là? Pas du tout. Non. Ah mais si on pouvait rentrer tout à l'heure par là. Il s'est moqué de moi le jeu. Comme d'hab. Allez, s'il te plaît. Wap. Alors, fais voir. Un autre PDA. Ok, Dendrodeur. Alors, quelque chose d'incroyable vient d'arriver. Depuis que nous sommes ici, j'ai prévu de fabriquer de l'équipement et d'étudier les incroyables formes de vie que nous rencontrons. Mais je ne savais pas, j'avais pas de verre émaillé. J'ai donc commencé à chercher du substrat naturel pour renforcer le verre. Ok. 3 heures plus tard, elle était revenue. Youpi. Qu'est-ce qui se passe? J'entends crack, mais je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est l'autre dehors. Fais voir, on va passer peut-être par ici, non? Yeah. Ouais. Enfin, on va essayer. S'il nous laisse faire. Hop! Allez. Allez, allez! Hop, fais voir. On va ressortir. On fait attention à notre air. Ouais, j'ai bien eu l'impression qu'ils essayaient de nous mordre à travers les vitres. Ouais. Et tu veux pas rentrer? Ah, mais oui, mais tu veux pas rentrer? Ce serait mieux. Par contre, ils nous ont bien endommagé le Simote là. Ils y sont allés de à cœur joie, les mecs. Ouais. J'ai vu ça, mais il fallait que je respire d'abord.
On va passer une sauvegarde ici parce que on sait jamais dans la vie. Ok, allez. Du coup, là, on a grimpé. On va aller au fond là-bas. Zut. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Oh. PDA abandonné. Bim. Aïe. Pique, hein. Punaise, on a plus d'eau, on a plus rien. Oh, c'est bon ça. Fais voir un peu. Qu'est-ce que c'est? Un mur végétal. Ah, ça va être super ça. J'ai fait des heures sup, c'est exactement ça, ouais. Mais bon, on est là, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut faire attention à ça là, surtout. Bim. Voilà. Est-ce qu'on peut ressortir par là? Pas du tout. Et bien on continuera ça la prochaine fois. Effectivement, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais vite, vite me barrer d'ici. Parce que Jean-José, là, il est énervé. Tu comprends? Et nous, on veut pas énerver Jean-José. Et mon appareil, il est bien, il est là. Du coup, on a un autre... est-ce qu'on a fait le tour de là? Je suppose que oui. On avait quoi là? Capsule 17. Bon, celle-là, on l'a. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ohé, ohé, PDA abandonné. Ohé, ohé, PDA abandonné. Allez, on va re-sauvegarder ici pour être sûr. Et puis, on a trouvé pas mal de victuailles. Il faudra revenir ici et poser une balise pour savoir où est-ce qu'on... Où peut-on revenir, bien sûr. Attends, fais voir un coup là. Donc du coup, ça, tu me dis que ça me sert à rien, mais attends, je vais lourder comme ceci. Et je préfère prendre ça. Je préfère prendre un peu de magnétite. Il y en a de partout ici. Et je pense que c'est pas mal. De la petite magnétite comme ça, ça mange pas de pain, ça gâche rien, et on en aura besoin. Et des bisous, mon petit doigt, des bisous, je vais pas tarder à arrêter, t'inquiète pas, sinon maman, la galère, elle va s'endormir sur le canapé, et quand elle s'endort sur le canapé, après elle est pas joie, c'est elle comme ça. Non, je plaisante, elle est adorable, ma femme. Et alors ça, c'est quoi? Emplacement proposé de la base de Degasi. D'accord. Il y en a une autre là. Ouais, mais il faut qu'on s'en aille, nous. Hein. On n'est pas d'ici. Hein. Ouais, il y en a une autre par là-bas là. Alors, et tout. Écoute, on va sortir un petit peu de là. Mine de rien, mine de crayon. On va rentrer à la maison. Et puis on verra pour la prochaine fois. On reviendra ici. Regardez tout ça. On reviendra regarder tout ça la prochaine fois. Je regarde qu'on n'ait pas loupé, qu'on n'ait pas un gros minerai qui poplerait comme ça là. Allez. On va faire comme dans l'infanterie. Ouais, je vais regarder après. Je vais regarder après, mais là, on va rentrer, puis on va se quitter, puis on se fera ça la prochaine fois où on allez, vite, surtout. On regardera ça attentivement, on lira tout ça comme il faut. Oh tiens, autre chose là. On va y aller. Super. Salut, salut les gars. Il y en a de partout, mais c'est pas grave. Attends, on arrive. On est comme ça, nous. Venez pas nous manger, s'il vous plaît, même si on a un kit de soins. On va se mettre là à l'abri. Salut. C'est moi que veux là. Est-ce qu'on a quelque chose là? Pas du tout. On sait jamais. Sur un malentendu, j'ai préféré m'arrêter. Il est où? Il est là. Des fois, je vois pas, tu sais, avec les... Mais là, il faut vraiment qu'on rentre. Parce que je vais finir par mourir. En fait. Et je voudrais pas mourir.
C'est par où? C'est par où que ça se passe? Par là. Je crois. Ouais. Voilà. Waouh. Incroyable. C'était une incroyable aventure là. Bon là, il a du mal le jeu, mais c'était, je vais rentrer dans quelque chose d'imaginaire, voilà. Bravo. C'est. Et t'imagines un petit peu le jeu là, ce qu'il vient de faire. Allez, on va rentrer. Fais voir, on est à combien là? Il y en a un autre, un tout petit peu plus loin là. Ok. Allez, nous on va rentrer parce que là je vais crever. Du coup, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Ah, ça y est, on va mourir. Elle est là-bas à la base. Vite! Je l'ai pas pris le soin? Non, je l'ai pas pris. Allez. Allez, allez. Allez chouchou. Hop là. Non mais vas-y, purée. Taras. Boulba. Allez, ça va le faire. Ah, il a du mal, hein. On voit bien qu'il a du mal. Ah, purée. Mais t'es sérieux là, bordel? Tu vas voir, je vais finir par crever. Hein. Ah punaise. Les gars, des fois c'est dur la vie. Ah là là. Hop. Voilà. Voilà, on va pas mourir. C'est bon, on va pas mourir. Et donc du coup, tout ça, je vais le mettre là. Et il faudra se refaire un autre casier avec, avec ça là. Le lithium, on l'a pas. Mais alors ça, on en a ramassé pas mal quand même. Ah ouais, je me doute, ouais. je me doute bien que ça va me changer la vie un petit peu ça. Ok, bah écoutez, on va re-sauvegarder ici, puis on va s'arrêter là pour ce soir en tout cas les gars. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à Ralaouelou et merci à tous. En tout cas, pour la bonne soirée que vous m'avez fait passer en votre compagnie, on continuera bien sûr l'aventure. Je vais en remettre une deuxième fois dans la semaine, je crois. Normalement, d'ailleurs, c'est prévu, je crois que c'est vendredi. Il me semble que j'en ai remis vendredi. Je vous embrasse très très fort, en tout cas, vous souhaite de passer une bonne soirée, merci à tous. Et on se retrouve très très vite, une bonne soirée, une bonne nuit surtout. Et puis, on se retrouve demain à partir de 18h. Ah, ciao les amis, bien sûr, on fait un raid juste derrière. Ne quittez pas. Allez, à plus tard. Merci. Bye bye. Ciao. Ok. Allez, on va se faire un petit raid, les gars. Merci en tout cas. Merci vraiment pour tout. C'était vraiment tellement agréable. Fais voir. N'oublie pas de lire les pavés. Non, t'inquiète pas. On va aller voir. On va partir en live sur un très bon copain à moi qui fait pas mal de vidéos et des choses vraiment très très bien. Et vraiment de beaucoup beaucoup de live parce qu'il a pas mal de temps. Il fait. C'est pas son principal métier, mais il a beaucoup de temps pour le faire. Donc allez, on va aller chez lui. Et en tout cas, je vous embrasse très très fort et vous souhaite de passer une bonne soirée encore, les amis. Merci et merci pour lui si vous restez un petit peu. Allez juste lui faire un petit bisou si vous êtes fatigué, mais restez un petit peu. Il est vraiment sympa, il mérite. Ciao, ciao les gars, merci, bye.